un auteur anonyme a écrit « Toutes les puissances mises ensemble n'ont jamais touché une seule vie autant que par celle du Seigneur Jésus-Christ. » Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission « Toute la Bible en parle ». La chanteuse Huguette Villeneuve a été profondément touchée par l'amour de son Sauveur. Elle est de retour à l'émission et nous avons aussi Diane Lauzon qui est avec nous, qui viendra nous proposer des lectures dans le cadre de la chronique de livres avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Et nous avons aussi quelque chose à vous proposer chaque fois, chaque émission, même plusieurs fois au cours de l'émission. Nous avons à vous proposer Bonne Nouvelle aujourd'hui et aussi Les leçons de Marie, Mère de Jésus, par Gaston Racine. C'est la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est aussi une bonne nouvelle pour aujourd'hui dans votre vie, si vous voulez en faire la demande et lire sérieusement et sincèrement la parole de Dieu. Et si vous désirez savoir comment obtenir le Nouveau Testament, qui vous est offert gratuitement, et aussi les leçons de Marie, voilà la liste devant vous. Il vous suffit de communiquer avec Edmonton, Granby-Lattuc, Montréal, Rive-Sud de Montréal, Saint-Élie et Sherbrooke. Notez ces numéros et commencez à les composer pour demander les livres que nous vous offrons. C'est une gracieuseté de toute la Bible en parle et de ces personnes qui sont si généreuses envers nous. Eh bien, sans plus tarder, je laisse la parole à Diane Lauzon pour entendre ce qu'elle a à nous proposer dans le cadre de la chronique du livre. Diane. Bonsoir, bonsoir à tous. Ce soir, on va débuter avec une série de 3 volumes pour nos plus jeunes. Ça fait partie de la série « Découvrir la Bible en famille » parue aux éditions Satar. Le premier volume nous présente Jésus, de la naissance jusqu'à son baptême. Vient par la suite un deuxième volume qui s'intitule « Jésus guérit les corps et les esprits ». Et les textes sont présentés avec beaucoup d'illustrations en couleur. C'est très beau et pour ceux qui font du visuel, c'est très intéressant. Nous allons poursuivre avec le troisième volume de la série qui nous dit « À la suite du Messie ». Alors, à l'intérieur de ce volume, nous retrouvons les textes des paraboles que Jésus a enseignées à ses disciples. Alors, j'encourage nos plus jeunes à se procurer ces volumes. Ensuite, nous irons vers nos aînés avec un volume qui s'intitule « Jésus, fils de Marie, fils de Dieu ». Cette double nature de Jésus-Christ nous interroge et souvent nous avons de la difficulté à voir apparaître ces deux natures qui étaient présentes en Jésus. Et l'auteur de ce volume a vraiment su nous présenter ces deux natures de Christ, son personnage et sa nature incomparable. Et puis, en tout dernier lieu, je vous invite une fois de plus à vous procurer les notes de partage qui sont éditées par la Ligue pour la lecture de la Bible au Québec. Elles sont rédigées en partie par des rédacteurs québécois. Et avec ces notes, on vous amène à une lecture quotidienne de la parole de Dieu. Les questions qui apparaissent chaque jour aussi vous aident à approfondir cette parole, à la méditer, à la réfléchir. Et sur une période de 5 années, vous aurez couvert toute la Bible en entier. Et tous ces beaux volumes-là, vous pouvez les prendre, vous les procurer, donc à la Ligue pour la lecture de la Bible. Vous pouvez nous appeler au 514-465-0445 ou chez n'importe quel bon libraire. Ça leur fera plaisir, j'en suis certaine. Merci. Diane Lauzon, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'entendre la chronique de livres ici, à Toute la Bible en parle. Ils sont très, très jolis, ces livres-là. Il y en a même un qu'on a manqué, là. Le troisième, on n'a pas pu le voir, mais ils sont tous aussi jolis les uns comme les autres. Oui. Et ça vaut vraiment la peine d'avoir quelque chose pour les enfants, les adolescents, toute la famille, en fin de compte. C'est ça, pour tout le monde. Oui. Merci encore une fois, c'est très, très beau et je l'apprécie personnellement. Eh bien, nous allons maintenant passer au message de la parole de Dieu. Et j'ai ma Bible ici, et j'aimerais reprendre ce que je disais tout à l'heure durant l'introduction. C'est qu'un auteur anonyme a écrit ce qui suit. Il est né dans un village obscur, étant le fils d'une paysanne. Il grandit dans un autre village où il travailla dans un atelier de menuiserie jusqu'à l'âge de 30 ans. Ensuite, pendant 3 ans, il était un prédicateur itinérant, il n'a jamais écrit de livre, il n'a jamais eu de bureau d'affaires, il n'a jamais été propriétaire, il n'a pas été
à l'université. Il n'a jamais voyagé plus de 200 milles de son lieu de naissance. Il n'a jamais fait des choses que l'on associe habituellement avec le succès. Il n'avait aucune lettre de recommandation. Sa seule référence était lui-même. Il n'avait que 33 ans lorsque l'opinion publique s'est retournée contre lui. Ses amis l'ont délaissé. Il a été livré à ses ennemis et a dû subir un procès absurde. Il a été crucifié sur une croix entre deux criminels. Pendant qu'il agonisait, ses bourreaux tirèrent au sort ses vêtements, la seule chose qu'il possédait sur la terre. Une fois mort, on déposa son corps dans un tombeau emprunté d'un ami sympathisant. 19 siècles ont passé. On voit que la personne qui a écrit ça vivait il y a un siècle. Aujourd'hui, on dirait 20 siècles ont passé. Et aujourd'hui, il est la figure centrale de la race humaine, le chef du progrès du genre humain. Toutes les armées du monde, tous les bateaux des océans, tous les gouvernements de la terre, tous les rois du monde entier, toutes ces puissances mises ensemble, n'ont jamais touché une seule vie autant que par cette seule et unique vie qui fut la sienne. Fin de la citation de cet auteur anonyme. Demandez-vous bien, et je me pose la même question aussi, qui est Jésus-Christ pour moi? La réponse, je peux presque l'entendre d'ici. Plusieurs, peut-être, vous dites aussi, il est mon ami, il est mon confident, il est mon frère, mon maître. Peut-être même vous dites, il est mon sauveur. Et même d'autres qui diront, il est mon sauveur et mon Seigneur. Et ça, c'est excellent. Ce sont des réponses excellentes. Mais peut-être vous direz-vous, c'est un peu abstrait, ces réponses-là, quand même. Sa présence en nous est plus grande que toute description, n'êtes-vous pas d'accord, qu'on pourrait donner de lui. Jésus était un prédicateur itinérant, nous avons lu par cet auteur anonyme, un prédicateur itinérant. Jésus s'est fait connaître à nous, pas seulement au travers des choses qu'il a dites de lui-même, mais au travers des personnes qu'il a transformées. On peut voir Jésus, on peut connaître Jésus par des personnes qu'on rencontre que Dieu, par Jésus, a transformées, a changées. J'en ai rencontré. Je connais mieux Jésus aujourd'hui parce que je rencontre des gens qui ont été transformés par la puissance de Jésus. Et lorsque je regarde dans les Écritures, je vois que c'est seulement en s'adressant, par exemple, à des personnes transformées comme des Samaritains, des lépreux, des prostituées, des publicains, que je commence à comprendre vraiment le caractère de Jésus. Par exemple, les Samaritains. On sait que Jésus violait la loi des pharisiens seulement en adressant la parole aux Samaritains. Les Samaritains étaient des Juifs assimilés aux gentils. Et par leur mariage mixte, et puis de leur adresser la parole, c'était mal vu. On connaît aussi Jésus de la façon qu'il a transformé les lépreux. Jésus rejette l'idée perçue que la maladie est une punition directement de Dieu sur le péché. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Dans l'Évangile de Jean, chapitre 9. On reconnaît aussi Jésus à la manière, de la façon qu'il a transformé les prostituées. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » C'est écrit dans Jean, le chapitre 8. Jésus est allé chez un pharisien nommé Simon. Et j'aimerais que vous puissiez regarder dans la Bible avec moi. J'ai votre Bible ici à côté. Et nous lisons dans Luc, chapitre 7, verset 44.
Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle, elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Jésus a la puissance de pardonner les péchés. Et nous avons la démonstration ici du Seigneur qui pardonne les péchés à cette femme. Nous voyons aussi le Seigneur se manifester au travers des publicains qu'il a transformés, qu'il a changés. Jésus avait choisi un publicain comme apôtre, saviez-vous? Il a choisi un publicain comme apôtre du nom de Lévi, qu'on appelle aussi Matthieu, l'Évangile de Matthieu. Un homme qui un percepteur d'impôts. Ils ne sont pas très populaires même de nos jours. Comme Jésus était à table, j'aimerais que vous lisiez avec moi encore une fois, c'est dans un autre évangile, cette fois-ci c'est dans Matthieu, chapitre 9, verset 10. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et je vous dis que parce que Jésus a appelé des pécheurs, c'est pour ça que je suis ici à vous parler aujourd'hui. Parce que Jésus m'aime, il m'a sauvé, il m'a donné une vie nouvelle. J'aimerais vous poser une question. Si Jésus revenait sur la terre en cet instant, où pensez-vous qu'il irait? Jésus n'avait pas d'autre référence que lui-même, nous lisons dans l'Écriture. De lui-même, mais quand même, lorsque nous ouvrons la Bible, vous allez découvrir avec moi que la Bible parle de 5 personnes qui ont rendu témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait lui-même, Jésus, il y avait aussi Jean-Baptiste, les œuvres et les miracles qu'il faisait. Dieu, son Père, s'est révélé, vous vous souvenez, lorsque Dieu, nous avons entendu la voix de Dieu lorsque Jésus a été baptisé, et aussi, le jour de la Transfiguration, sur la montagne de la Transfiguration, nous avons entendu la voix de Dieu. Il y a aussi un autre témoignage, c'est celui des Écritures. Nous lisons, « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute, dit Jésus, dans Matthieu 11. Nous lisons aussi à propos de la conversion d'un pharisien. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, sûrement celui que nous connaissons le mieux aujourd'hui, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus la nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Dans Jean chapitre 3. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il a vraiment bien expliqué sa mission. Il a dit pourquoi il était ici. Il nous l'a dit clairement pourquoi il était venu dans le monde. Nous lisons dans l'Écriture, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. » Voilà la raison. « Mais pour qu'il sauve, pour que le monde soit sauvé par lui. » Dans Jean 3, 17. Jésus n'a pas dit, « Je vais vous montrer le bon chemin. Je vais vous montrer le chemin vers le salut. » C'est pas ça. Ce n'est pas ça que Jésus a dit. Je vous rappelle ce que Jésus a dit. N'est-ce pas? Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père
que par moi, dans Jean 14, 6. C'est absolument nécessaire de venir à Jésus pour être sauvé. Un jour, Philippe lui a dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » C'est un très beau verset à montrer à certaines personnes qui ne croient pas que Jésus est Dieu. « Celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. » Si Jésus revenait marcher sur la terre, comment serait-il reçu? Jésus a été crucifié à une croix entre deux criminels. Jésus n'est pas venu sur la terre pour enrayer la souffrance, mais plutôt pour nous accompagner dans la souffrance. Il nous a enseigné que quelquefois, l'amour et la souffrance vont main dans la main. Et je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui savent que c'est vrai. Jésus savait que ses actions soutiraient de la dérision de la part de ses ennemis. Mais nous lisons, il s'éloigna d'eux, Jésus s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Dans Luc 22. Il est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Jésus n'a pas dit qu'il éliminerait tous nos ennemis. Il a simplement dit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Personne ne va vous faire des reproches d'être chrétien si vous ne dites jamais que vous êtes chrétien ou que vous parlez de votre foi. Pourtant, jeunes et plus vieux se plaignent de ne pas voir Jésus dans la vie du chrétien. Si Jésus se promenait, une dernière question, si Jésus se promenait sur la terre aujourd'hui, le reconnaîtriez-vous? Jésus est le chef du progrès du genre humain. Plusieurs personnes dans le monde se disent chrétiens. C'est ce qu'on pourrait appeler des chrétiens sociologiques. Du point de vue social, ils sont chrétiens. La société est chrétienne, donc ils le sont aussi. On pourrait parler des chrétiens du Liban, ils sont en guerre. On pourrait parler des catholiques et des protestants de l'Irlande. Il y a quelqu'un qui a dit, le problème avec l'Irlande, c'est qu'il y a trop de catholiques et trop de protestants et pas assez de chrétiens. Plusieurs se nomment chrétiens, avouez-le, c'est vrai. Je sais, comme vous. Mais aujourd'hui, comme hier, chaque personne doit accepter Jésus dans son cœur ou le rejeter. Sur la base d'une décision personnelle. Suivre Jésus n'est pas facile. Et là, ici, j'aimerais vous inviter à venir à lui. Si Jésus venait sur la terre aujourd'hui, qu'est-ce qu'il s'attendrait de vous? Il s'attendrait à ce que vous ouvriez votre cœur à lui. Il a dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Êtes-vous prêt à lui ouvrir la porte là où vous êtes? Faites-le maintenant. Il vous aime. Et pour vous aider à commencer cette nouvelle vie, ce que je dis là, c'est sérieux. Je le dis avec joie, avec excitation, et je suis toujours très stimulé d'en parler. Mais c'est quelque chose de profond, de vrai, de véridique. Jésus est vivant, il est une personne authentique. Et nous pouvons vous offrir ces deux livres-là qui vont vous aider à amorcer cette nouvelle vie. Un de ces livres s'appelle « Bonne nouvelle aujourd'hui ». Ça pourrait être la meilleure nouvelle de votre vie. En lisant les pages de ce livre, comme je l'ai fait moi-même dans ma vie, et ce livre a changé, a transformé ma vie, comme ce livre a transformé la vie des lépreux, des samaritains, des publicains, des prostituées, des gens de tous les niveaux. Il y a aussi le livre « Les leçons de Marie » par Gaston Racine. Vous voulez savoir comment vous les procurer? Regardez les numéros rapidement, ils sont là. Et dans quelques instants, nous regrettons, il y a une petite erreur avec Edmonton lorsque la chanteuse Huguette Villeneuve sera là. Notez bien maintenant le bon numéro que vous avez à l'écran présentement. Il y a aussi Sherbrooke qui ne paraîtra pas lorsque Huguette Villeneuve nous exécutera sa chanson. Donc, notez bien les numéros et appelez-nous dès l'instant. Appelez-nous durant l'émission et demandez les deux livres « Bonne nouvelle aujourd'hui » et « Les leçons de Marie, mère de Jésus ». Et en même temps, pourquoi ne pas nous dire que vous regardez l'émission? Nous faire vos commentaires, vos questions, vos remarques. Et peut-être aussi, vous aimeriez savoir où nous nous rencontrons comme petit groupe, peut-être dans votre rue, dans votre village, dans votre ville. Il nous fera plaisir de répondre autant que nous pouvons à toutes vos questions. Par amour pour toi et moi,
Le Seigneur Jésus est allé jusqu'au bout pour nous sauver. C'est ce que nous dit par sa chanson, qui est beaucoup plus que de nous entretenir ou de nous divertir. Huguette Villeneuve a intitulé sa chanson « Via Dolorosa ». Nous l'écoutons immédiatement. Sa tête portait la couronne d'épines. Chaque pas, il supportait le mépris de ceux qui voulaient sa mort. Sur la Via Dolorosa, appelée voix de souffrance, choisi par amour pour toi, amour pour moi. Sur la Via Dolorosa, jusqu'au bout, jusqu'au calvaire. Il saignait de ses blessures, il était bafoué, flagellé. Sa tête portait la couronne d'épines. Chaque pas, il supportait le mépris de ceux qui voulaient sa mort. Sur la Via Dolorosa, appelée voix de souffrance, le lagneau est venu le Messie. C'est vraiment difficile d'ajouter quoi que ce soit après ce beau cantique. Je ne l'appelle même pas une chanson. Je pense à ce verset dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 7, qui dit « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » J'aimerais le lire dans son contexte. « Si nous vivons dans la lumière comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes unis les uns aux autres. » Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que
Nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés à Dieu, nous pouvons avoir confiance en lui, car il agit de façon juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Est-ce que vous dites « Amen » ou « Ainsi soit-il » ou « Qu'il en soit ainsi » à ces paroles? Vous pouvez le faire pour vous personnellement. Il peut devenir votre sauveur personnel. J'aimerais rapidement vous montrer les livres que nous vous offrons. « Bonne nouvelle aujourd'hui » et « Les leçons de Marie » avec Gaston Racine. Et je pense que nous avons encore le temps de vous montrer les différents numéros de téléphone. Vous allez voir dans un instant ces numéros et vous pouvez les composer dès l'instant. Vous pouvez commencer à composer là, les gens d'Edmonton, de Granby, de Latuc, de Montréal, de la Rive-Sud, Saint-Élie, Sherbrooke. Où êtes-vous? Les gens de tous ces milieux, de toutes ces places et même les places avoisinantes de ces villes. Appelez-nous et nous avons une bonne quantité de bonnes nouvelles aujourd'hui et aussi les leçons de Marie par Gaston Racine. Et c'est gratuit, nous vous l'offrons, c'est un cadeau parce que ces gens-là, la Société biblique canadienne et aussi Gaston Racine, à cause de leur grande générosité, nous permettent de vous offrir les mêmes choses, les mêmes ouvrages. Soyez des nôtres bientôt, dès la prochaine émission. Ne manquez pas la prochaine émission, au cours de laquelle Chantal Massé viendra nous parler de l'effet de Dieu dans sa vie. C'est une jeune dame qui va venir témoigner du Seigneur Jésus. Et Huguette Villeneuve sera avec nous aussi. À bientôt.